En 1966, dans l'État de Californie, un nouveau tueur fit son apparition, se faisant appeler Zodiac. Dans la région de San Francisco, le Zodiac fut cause de panique pour bien des gens entre les années 1966 et 1978. Reconnaissable par les nombreuses lettres qu'il envoya à la police ainsi que par sa signature symbolique, le Zodiac fut l'un des meurtriers le plus énigmatique des États-Unis. Les charges portées contre lui se résument à une tentative d'enlèvement, deux tentatives de meurtre et cinq homicides, mais il est soupçonné d'être l'auteur d'environ 37 à 200 meurtres. Tout commença à Riverside City, près de Los Angeles, le 30 octobre 1966. Une jeune étudiante de 18 ans, Cherry Jo Bates, fut retrouvée assassinée près du parking de la bibliothèque de l'Université de Riverside City. Elle avait été frappée mortellement à la poitrine, dans le dos et à la gorge à l'aide d'un couteau. L'argent ne semblait pas être le motif du meurtre et la victime ne portait pas de marque de violence sexuelle. Une montre arrêtée à minuit 24 fut retrouvée sur les lieux. Tous les indices laissent à conclusion que la victime connaissait le tueur. Le 29 novembre 1966, la police de Riverside reçut une lettre portant en guise de titre « The Confession » et évoquant les détails du meurtre de Cherry Jo Bates ainsi qu'un avertissement comme quoi ce meurtre serait le premier d'une longue série. 6 mois plus tard, le père de la victime reçut une copie de la même lettre, avec pour titre « Bates had to die, there will be more ». Aujourd'hui encore, malgré les similitudes entre ce meurtre et ceux du Zodiac, on ne peut affirmer qu'il s'agit bel et bien de son œuvre. Le 20 décembre 1968, 20 km au nord-est de San Francisco, David Archer Faraday, 17 ans, et Betty Lou Jensen, 16 ans, qui avaient leur premier rendez-vous, furent suivis par une Chevrolet en route vers Benicia. À 11h10, un inconnu surgit de la voiture alors qu'il était arrêté, dans un endroit éloigné. L'individu armé de 22 longs rifles semi-automatiques tira en direction du couple, touchant mortellement à la tête David. De son côté, Betty, qui avait réussi à s'enfuir, fut touchée 5 fois dans le dos alors qu'elle courait, mourant sur le coup. 6 mois plus tard, le vendredi 4 juillet 1969, c'est au tour de Darlene Elizabeth Ferrin, 22 ans, et de Michael Renaud Majot, 19 ans, de subir le même sort. Peu avant minuit, sur un parking, une voiture marron s'arrêta près de la portière gauche. Un homme en sortit, braquant un spot de lumière sur eux pour les aveugler. Il tira à l'aide d'un pistolet 9 mm semi-automatique. Darlene mourut dans l'ambulance qui l'amenait au Kaiser Foundation Hospital et Michael Majot survécut. Il décrit le Zodiac comme étant un homme de petite taille assez fort, portant une cagoule de bourreau. Quelques minutes après la mort de Darlene, un coup de téléphone fut reçu au poste. L'homme revendiquait le meurtre de David et Betty, ainsi que celui de Darlene. Le 31 juillet 1969, le San Francisco Examiner, le San Francisco Chronicle et le Vallejo Times Herald reçurent 3 lettres contenant chacun un tiers d'un cryptogramme de 408 caractères qui furent décryptés par le professeur Donald Arden et sa femme Betty. En voici la traduction. J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de tuer les animaux dans la forêt. C'est comme un jeu, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous à tuer. La sensation est tellement intense, c'est encore mieux que de conclure avec une fille. La meilleure partie, c'est quand que je mourrai, je reviendrai à la vie au paradis et tous ceux que j'aurai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom parce que vous allez essayer de me ralentir ou de m'arrêter dans ma collection d'esclaves pour ma renaissance. Signé, le Zodiac.